repos, passer du bon temps. Et un peu de fraîcheur parce que quand t'as pas pris beaucoup de vacances depuis longtemps, ça te fait du bien d'être relax. Décompression. Ça me permet de découvrir pas mal de paysages, pas mal de choses que je connais pas. Et liberté. Surtout quand on travaille toute l'année, ben on se sent ce que c'est les vacances en fait. On apprécie plus. De découvrir les traditions. Les traditions d'une région. Parce qu'on peut partir en vacances, mais il faut aussi partir en dehors, dans la tête aussi. Quoi. Il faut vraiment s'évader, plus penser à sa routine quotidienne. Un moment de bonheur, de soulagement et de oublier le travail. Essayer d'emmagasiner le maximum d'énergie possible. Un moment qui ne se fait pas tous les jours. Tu vois, c'est ça les vacances. C'est bah, faire des connaissances, puis voir des choses que tu n'as pas eu forcément la chance de pouvoir voir dans d'autres conditions. Moi, j'ai jamais voyagé comme ça, quoi. Tu vois, hein, ça fait du bien. C'était en 2006, je crois, à Metz. C'est pas vraiment l'endroit idéal. Ça fait quand même un moment. La dernière fois, je suis allé en Côte d'Ivoire. L'année dernière, 3 semaines, au mois de juillet. Resté sur la com, j'ai fait du vélo parce que je fais pas mal de vélo. C'était pour le Tour de France, donc le matin, je fais du vélo. L'après-midi, je regardais le Tour de France. Bon, il y a à peu près, il y a 3 ans. J'ai pas mal d'années que... Les vacances, je l'ai passé plus dans la communauté. Ça fait un an, 13 mois exactement. Ça fait 2 ans. Dernière vacances, c'était il y a 5 ans. Mon meilleur souvenir, donc c'est un peu ici quoi. Les vacances dont je me souviens et qui sont vraiment les plus récentes, c'est à Matala. À Semur-en-Auxois. C'est le jour, la date de mon anniversaire. Vous aviez fait quoi? Ben, un gâteau pour mes 5 ans. Je veux dire que pour le moment, c'est le meilleur. Vraiment, je ne pensais même pas que j'allais faire les vacances comme ça. Vraiment, je suis très, très, très contente de cet voyage. Et j'aimerais bien revenir encore. Celui-là, il est pas mal, c'est un bon petit souvenir, ce sera sympa, ça va être une bonne semaine à garder en mémoire. Oh bah ça va être ici. Hein. Ouais. Par contre, il fait bien chaud. Trop chaud. Trop chaud. Pour moi, c'est mes meilleures vacances jusqu'à présent. Ouais. Bah déjà, la semaine qu'on passe ici, déjà ça c'est un bon souvenir d'avance. Et... C'est la bord de la mer. C'est ici parce que c'est merveilleux, c'est haut. C'est la première fois, c'est à Tunisie. Souvenir de vacances, c'est quand on était jeune, qu'on partait en bande, un petit peu à l'aventure. Ouais. Moi, j'ai toujours des bons souvenirs. Donc, en remontant très loin, je sais pas, une quinzaine de jours dans les gorges du Tarn à faire du kayak avec des potes quand j'avais 20 ans. Voilà. C'est peut-être parce que j'étais jeune à l'époque. C'est de la nostalgie, peut-être. Déjà Edjin, parce que bon, même en étant chez Emmaüs, on est obligé d'avoir des vacances, hein, c'est un droit qu'on doit avoir. T'es condamné à rester dans le département en fait, tu bouges pas. Il y en a certains qui sont jamais sortis de la France, qui sont jamais sortis de leur propre département. Donc ouais, je pense que c'est utile, ça leur permet de voir autre chose
et de garder des souvenirs. Voir de nouveaux horizons, de nouveaux pays et de connaître différentes cultures et d'autres personnes. On vient de différentes communautés, donc d'un côté, ça nous permet d'avoir un contact entre les autres communautés. Et on n'a pas toujours la chance de pouvoir partir aussi. Donc c'est un moment, c'est un privilège qu'on a et qu'il ne faut pas perdre à mon avis. Parce que c'est obligatoire, on a tous besoin de décompresser. Sortir de l'environnement où tu vis, c'est important de pouvoir voir d'autres personnes que les gens avec qui tu viens actuellement. Mes compagnons, ils vivent en communauté, tous ensemble, toute l'année. Et je pense qu'il faut qu'ils respirent. Donc, il faut absolument qu'ils aillent faire autre chose, enfin, vivre, rencontrer du monde. Très bien, je reviens quand vous voulez. Il n'y a rien à dire. Franchement, il n'y a rien à dire. Bon, moi, ces vacances-là, j'oublierai jamais ça. C'est vraiment la décontraction totale. Je me sens très très bien. J'ai envie de rester ici. Je me sens vraiment bien ici. J'ai ma peau épanouie. Viens ici, franchement. Super bien. Si c'est un bon séjour. Surtout les excursions qu'on a fait, c'était super. Bien manger. Un temps fabuleux. Et puis le séjour que j'ai pensé. Donc moi, ça m'a fait quelque chose. Même vivre avec un groupe ici, tout l'ensemble, c'est bien à vous que les compagnons, que le personnel des hôtels. Pour moi, ça me fait quelque chose. Quoi. Et ton meilleur souvenir de vacances, qu'est-ce que ce serait ? Pour moi, c'est une nuit avec une femme, une très belle femme. Franchement. Et c'est bien. Ça me reviendra peut-être. Bon. Vous la couperez.